Wesh tout le monde, bien ou quoi? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui j'ai investi, pas trop, parce que j'ai pas trop les thunes, mais j'ai investi 2200 points. On va se faire un petit pack opening de 2200 points, ça peut être pas mal. J'ai fait, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques matchs, un peu beaucoup même, pour 2 jours de jeu. 31 victoires, 28 défaites. Je peux vous dire que j'ai un peu de mal avec les passes. Et ça me fait vraiment chier. J'ai jamais eu un ratio aussi pourri dans un début de FIFA. FIFA 16 est vraiment difficile. Va falloir vraiment s'y habituer. Donc on va partir pour un pack opening. Je sais pas si j'ouvre tout. Si j'ai une putain de carte, j'ouvre pas tout. Mais si j'ai de la merde comme ça, va falloir que j'ouvre tout, les gars. Parce que hein, moi je veux bien, mais hein, s'il te plaît, hein. Si je paye des points FIFA, c'est la première fois que je paye des points FIFA. T'as intérêt à me donner quelque chose, mon gars. Allez, Sport. Messi, tu me sors un putain de joueur. Oh. Pff. De ces faux espoirs, putain. Donc voilà, les gars. Maintenant, FIFA 16 est sorti. Les vidéos vont reprendre plus régulièrement. Parce que là, pour l'instant, je suis pas trop régulier. Je fais des vidéos une ou deux par semaine. Donc, je vais essayer d'en faire plus. Enfin, je vais en faire plus. Parce que sinon, ça craint si je suis pas... Si je suis pas régulier, c'est un peu... C'est nul, quoi. Putain, mais sors-moi des horreurs, mon vieux. Il y a 3 horreurs dedans, tu sais pas me foutre un joueur. Bon, on a déjà ouvert pour je sais pas combien de crédits, hein, de points FIFA. Ça me saoule, donne-moi au moins un joueur. Horreur. Ouais, lui, un joueur du Braga. 64 de vitesse pour un BU. Mais non. Faut doser. Ce qui serait bien, c'est d'avoir même un Lacazette, tu vois, je serais content parce que ça coûte cher là en début de fut. Les joueurs coûtent cher. Oh, Garcia, combien il coûte lui? Parce qu'il a des bonnes stats hein, quand même. 80 en défense, 86 en physique pour un. Oh, 4000 crédits aussi, c'est pas mal. Je vais voir combien il coûte. Oh, autant le vendre en vente rapide. Allez, Lacazette, s'il te plaît! S'il te plaît, Lacazette! Putain! Me saoule! Bon, les gars, on va partir pour le dernier pack parce que j'ai pas envie de gaspiller les 1000 points en un coup. La casette, celui-là, je le regarde pas. Je vais tout au fond. Même si c'est pas un grand pack, je pense que je verrai les premières cartes. Ok, j'ouvre les yeux. Ok, donc je vois déjà que j'ai deux rares là. Le troisième, est-ce que c'est un putain de joueur? Ah ok, le troisième rare il est là. Un de ces packs de merde. Putain. T'es marre quand moi j'ai la casquette et les cheveux qui dépassent là. T'es marre, je finis ma vidéo comme ça. Donc voilà les gars, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais faire des vidéos plus régulièrement. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter l'équipe avec laquelle j'ai commencé. Qui est vraiment pas mal du tout. Elle est très compétitive, elle est pas vraiment très chère. Donc les gars, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Pedro C2O. Ciao. J'ai le cœur sur le gang, 9 à 2 i, fuck le young, fuck le ying. T'es pas dans cuisine, t'es pas dans les gangs. Tu nais dans les grands vins, t'es mort dans les villes. Défiez-le du karma nu, on est vite. Plan dans les vitres, à la barre, on est 8 kilos de shit.